Et oui les petits amis, vous avez deviné, aujourd'hui dans Retour vers chez Marcus, on joue à GoldenEye sur Nintendo 64. Je suis trop content d'avoir ressorti ma Nintendo 64 pour l'occasion, avec cette petite manette. Certains se moquent de cette manette, bah croyez-moi, ils devraient pas parce qu'elle a fait beaucoup pour l'histoire du jeu vidéo. Première manette analogique avec ce stick analogique, c'était juste incroyable. J'ai rajouté derrière le Rumble Pack, c'était un truc qui se mettait comme ça à l'arrière et qui permettait de faire vibrer la manette. Donc une manette qui vibrait, un truc de fou. Et puis surtout plusieurs façons de la tenir. Là par exemple pour GoldenEye, il y a déjà 3-4 façons de la tenir différentes. Moi j'ai décidé de jouer comme ça, comme on jouerait avec un Call of moderne. Mais il y avait des façons beaucoup plus simples. On ne se prenait pas la tête à lever le regard par exemple. Voilà, donc là je suis à la fois dans le monde moderne puisque je vais jouer un peu comme un Call of et en même temps dans le passé puisque c'est du gros pixel comme on l'aimait à l'époque de la Nintendo 64. Et regardez comme il est beau, Pierce Brosnan, parce que le film était pas terrible GoldenEye pour tout vous dire, alors que le jeu reste absolument classique, des niveaux incroyables. Moi j'aimais bien Frégate, il est tout ouvert à l'époque, hein, c'est ma sauvegarde d'époque. Je vais me mettre en mode secret agent. On va pas trop fanfaronner. Oh non, c'est trop secret agent. Je vais me mettre en mode agent tout court parce que j'aurai moins de missions à faire. Je voudrais vous faire voir beaucoup de choses, donc on va pas perdre de temps, on va juste secourir quelques otages et placer un mouchard sur un hélicoptère. C'est tout ce qu'on aura à faire. Et tout ça se passe sur la frégate Lafayette à Monte Carlo, s'il vous plaît. Je voulais un truc un peu glamour. Et voilà. Et voilà Pierce Brosnan avec sa tête bien carrée, absolument incroyable. Et ses gros flingues qui est à bord de son petit canot de sauvetage et qui va partir tout seul à l'assaut d'un bateau avec plein de méchants à bord. Et écoutez la musique, j'adore. Voilà, la vraie musique de James Bond, truc absolument incroyable. Et déjà, on me tire dans le dos alors que ça n'a même pas commencé. Mais moi aussi, je peux arroser tout le monde si je veux. Y compris ce petit monsieur qui va se planquer en bas. Ouais, je crois que je l'ai eu. Et il n'est pas tout seul. Alors, faut que j'intervienne assez vite parce qu'il y a des otages à délivrer. Et ils vont les buter si je n'interviens pas. Attends. Oh, il a exécuté l'otage, salaud! Où est-ce qu'il est? Oh, j'ai tout fait péter! Je sens que pour un agent secret, je ne suis pas très discret. Alors qu'il y avait des flingues avec silencieux, il y avait même quelques petites notions d'un... Oh là là, c'est une catastrophe ce que je fais! Il y avait même des petites notions d'infiltration à l'époque, puisque il fallait essayer de faire le moins de bruit possible pour pas déclencher l'alarme et déclencher tous les gardes. Oh là là, il y a eu un otage dans cette pièce. J'ai fait tuer tout le monde, je suis désolé. J'y vais trop bourrin, je suis tellement content de retrouver GoldenEye. C'est franchement un des meilleurs jeux de la Nintendo 64. Un jeu absolument culte. J'ai vraiment adoré ce jeu. Regardez, lui par exemple est complètement idiot, il m'a pas entendu arriver. Donc je vais carrément, j'ai beaucoup de flingues, mais je vais y aller à la main. On va juste l'assommer. Pip! Regardez cette tête, j'en profite. Regardez, c'est les visages des programmeurs qu'ils avaient collés à l'époque sur des modèles 3D. C'était la première fois que ça se faisait et on avait l'impression que c'était une révolution. On avait des vrais visages, pas des visages de personnages de dessins animés. Donc c'était assez fou de voir ces têtes. Quand on les revoit aujourd'hui, évidemment, ça fait un peu pitié. Ils ont vraiment le visage carré, on dirait les frères Bogdanov. Mais pour nous, croyez-moi, à l'époque, c'était juste fabuleux. Ah, voilà l'hélicoptère. Donc comme je suis James Bond, j'ai plein de petits gadgets et notamment le bug tracker qui va me permettre de traquer les mouvements de cet hélicoptère. Donc vous voyez, je choisis là-dedans. J'ai un truc pour désamorcer les bombes aussi. Donc vous pouvez faire les niveaux comme vous l'avez vu avec différents niveaux de difficulté avec plus ou moins d'objectifs. Là, je me contente juste de placer le mouchoir, je sens que je vais pleurer. Et on va essayer de passer par l'intérieur histoire de visiter tout le bateau parce que là, j'ai fait l'extérieur. Peut-être leur faire l'intérieur, essayer de revenir à ma petite embarcation. Oh là là, j'ai du mal. Alors c'est fou parce qu'on est habitué aujourd'hui à des manettes beaucoup plus précises. Donc certes, c'était la première fois qu'on avait une manette... oh là là, il y a du monde, hein. Si j'avais une grenade. Voilà. On est habitué à des manettes plus précises aujourd'hui, mais c'était là pour le coup une vraie révolution pour l'époque. Puisqu'on avait juste des croix directionnelles hein, jusque-là. Donc franchement, ça a beaucoup beaucoup changé de choses. Est-ce qu'il y a du monde là, de ce côté-là? Non. On va descendre ici. Et alors, ça permet par exemple de viser plus précisément, même si c'est une tannée. Par exemple, voilà, je fais apparaître le petit réticule et je peux aller viser juste le coin qu'il y a là. Attendre qu'il arrive.
Voilà. Ah, comme la manette vibre en plus, ça fait vibrer la manette, ça m'arrange pas pour la précision. Mais c'est pas grave, c'est juste pour vous faire voir. Et on a des gardes évidemment complètement sourds, parce que là je viens quand même de mitrailler 12 gars dans le couloir. Personne n'a rien entendu. Donc je vais reprendre. Enfin, je suis tenté de lui envoyer ma petite grenade, mais je vais juste le faire à la main, tranquillement. Pour vous montrer qu'il y avait quand même un peu d'infiltration. Monsieur ! Monsieur, voilà, je l'ai eu, très bien. Je récupère mes flingues parce que peut-être qu'il y aura un peu plus de monde en bas. Ça, c'est le fameux Walter PPK de James Bond. Oh, encore un otage, vite! Tuons l'otage nous-mêmes avant qu'il ne le fasse! Ah, merde, merde! Ah, je suis vraiment nul. Je suis vraiment nul, je suis plus habitué en fait. Je suis plus habitué à ces trucs. Mais les réflexes reviennent vraiment en fait. C'est ça qui est assez rigolo. C'est que. C'était, j'étais déjà mauvais comme ça à l'époque. Ah merde! Voilà. Je vais me cacher sur le côté. Heureusement qu'ils sont encore plus mauvais que moi. Heureusement que j'ai mis juste en mode agent. Sinon, ce serait un petit peu plus compliqué que ce que je fais là. En tout cas, voilà, moi pour moi, c'est un jeu absolument culte. C'était un truc juste fabuleux pour l'époque. Encore une fois, le film était pourri. Franchement, qui se souvient de GoldenEye, le film ? C'était vraiment pas terrible. Alors que le jeu, eh ben, il est juste incroyable. Alors là, regardez, je vais prendre le temps de viser la tête. Voilà, parce qu'une seule goutte suffit quand on... Quand on vise la tête dans GoldenEye, c'est assez efficace. Voilà, donc je suis un peu foufou, je suis tellement excité en fait. Je fais un peu n'importe quoi, c'est dommage. Mais voilà, j'ai adoré ce jeu. Ah, encore un otage. Chaque fois, j'arrive beaucoup trop tard pour sauver les otages. Ah, encore un méchant. Ah si, ça y est. Voilà, j'ai sauvé un otage. Oh, super. Le problème, c'est que cette espèce d'imbécile d'otage va se mettre pile poil là où il y a d'autres mecs. Ce qui fait que je risque... Oh là 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 là. Oh, j'adore sa tête, on aurait dit André Lamy. Vous connaissez pas André Lamy? C'était un imitateur des années 80, je suis son sosie. D'ailleurs, vous tapez Google André Lamy, vous allez voir dire, mais c'est Marcus. Je lui ressemble à peu près autant que je ressemble à Monsieur Trollolo. Là aussi, vous allez taper Google, vous allez vite trouver. Voilà, franchement, il est c'était assez raté ces visages, mais nous, on trouvait ça génial à l'époque. Ah, lui, il croyait qu'il allait se cacher derrière les caisses, que j'allais pas le voir. Dans les caisses, des fois, il y a des trucs, il y a des munitions, des grenades, des choses intéressantes. Bon, là, c'est pas le cas, visiblement. Et puis, en plus, on me tire dessus, donc... Tout intérêt à pas perdre de temps et à continuer mon petit bonhomme de chemin. Et ce serait bien que je ressorte de ce bateau. Là, je tourne un petit peu en rond. Où est-ce que c'est? Où est la sortie? Bon sang! Body armor. Ah, voilà, j'ai récupéré en plus des... Ah, c'était là. J'ai récupéré un gilet pare-balles qui va me permettre évidemment de mieux résister au tir. Et Dieu sait si j'en ai besoin. Bon, je me suis un peu perdu dans ce bateau, je ne sais plus par où on sort. Par là, non, ça c'est la salle des machines d'où je viens. Bon, bah je vais repartir d'où je viens, comme ça, au moins ça sera clair. Voilà, mais évidemment à l'époque on prenait le temps de refaire le niveau dans tous les sens, jusqu'à le connaître par cœur, connaître l'emplacement des gardes, des otages, pour les libérer tous. Il n'y a pas de succès à l'époque, mais on se faisait de petits succès nous-mêmes, en quelque sorte. Ah voilà, il est là, l'escalier qui permet de revenir dehors, c'est bien ce qui me semble. Voilà. Non, non, je reviens au même endroit. Ah non, c'est pas possible que je vais me perdre sur ce bateau. C'est quand même pas... C'est la croisière s'amuse, c'est pas si grand que ça, je vais vite faire le tour. En plus, ce que je voulais vous montrer, moi, aujourd'hui, c'est pas que le mode solo. Ah si, ça y est, voilà, c'est là qu'on sort. Parce que ce qui faisait surtout le plaisir de GoldenEye, évidemment, c'était le mode multijoueur. On faisait venir ses copains, et là, on se frittait, et on voyait bien qui était le meilleur. Et c'était... Oh, je suis même pas capable de passer cette porte. Donc, bah écoutez, je vais retourner vite fait, quand même, finir la mission, qu'on voit une dernière fois la tête de James Bond. Voilà, c'est pas loin. Faut que je me recule parce que les portes s'ouvrent dans le mauvais sens. C'est pas des portes à double ouverture, on est obligé de reculer quand on veut l'ouvrir. Voilà. Et après ça, j'ai un invité surprise qui va me rejoindre pour jouer avec moi en multijoueur. Parce que franchement, c'était ça le meilleur, c'était le multijoueur. Regardez, je monte dans la petite barcasse et on va voir. Bien, j'ai réussi ma mission. Et mesdames, messieurs, maintenant, je vous demande d'applaudir très fort mon invité,
Monsieur Mathias qui me rejoint une fois de plus. Yes, ça va, petit Mathias. Qui rime avec Barcas. Mais oui, c'est dingue, c'est fou. Oh, je suis trop content. Alors, tu dis qu'il a dit qu'il avait réussi sa mission. Je parle pas très bien anglais, mais... Ah oui, c'est vrai, failed. Oh merde, j'avais pas vu. Ça, c'est parce que j'ai pas sauvé assez d'otages. Bien sûr. J'étais tout foufou, évidemment. Comment t'as réussi d'embrouiller les gens? J'ai réussi, ma vie. Heureusement que tu es bilingue. On va se mettre en mode multiplayer. Et on va se friter tous les deux dans le fameux niveau Facility, qui était quand même mythique, qui était le préféré d'un peu tout le monde. Et on peut choisir son personnage. Facility, c'est pas des trucs. Facility, je sais pas, c'est un... Ah tiens, oui, tu veux une manette peut-être. Oui. C'est pas mal, j'en ai une deuxième. ce serait pas mal que tu prennes Natalia et moi Bond, James Bond Girl et James Bond, c'est quand même un peu classe. Ça va bien avec ma barbe, Natalia. Oui, c'est vrai. Est-ce que... Attends, on va vérifier que le Control Style est le bon. Solitaire, c'est très bien. Style. Appuie juste sur le bouton bleu. Bleu. Voilà, et on va aller se faire ça. On va faire ça en 5 minutes, vite fait. Douche comprise. Douche comprise, tout compris. Tu jouais à GoldenEye quand t'étais petit ou pas? Incroyable, GoldenEye. Vraiment, ouais, ça avait été un... Bon, après, c'est une grosse frustration, hein. C'était très difficile. Les soirées entre amis, c'était juste incroyable. Avec ce jeu, moi, j'ai passé des nuits entières à se tirer dessus dans les couloirs, à essayer de se retrouver. C'était complètement fou, ce truc. Vraiment incroyable. Tout pareil. Alors, grâce au petit radar, vous voyez, en haut à droite. Moi, alors, je suis en haut, moi, les amis. Grâce à mon petit radar, je peux savoir où est Mathias. Il est juste devant. Ah oui, je crois que c'est comme loin. Ça que tu m'appelais un petit... mon petit radar. Mon petit ami, mon petit radar, mon petit Mathias. Il est derrière cette porte, visiblement. C'était la guerre pour ouvrir les portes. Ah, il a changé de porte. Ah, une porte grande ouverte, c'est que monsieur Mathias n'est pas loin, il est là. Avec sa petite jupette. Oh. Oh là là. Mais fous-moi ma paix, ma montre me parle, je sais pas pendant ce temps-là. Comme si j'avais la montre de James Bond en fait. Moi j'arrange, je suis en train de repeindre le plafond avec de la peinture au plomb. Ah, parce que tu n'as pas d'arme. Si, j'ai plus mis ça. Où est-ce que t'es? Je suis caché. Il est là, elle est là. Elle est là, Natalia, viens ici. Oh là 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 là, j'ai un mal fou à viser maintenant. Ah, c'est un carnage. C'est pas ridicule du tout. Pas du tout. Mais tu devrais mourir depuis, ouais, depuis bien longtemps. Je vais te mettre un coup de talon dans la gueule, tu vois. Bah, j'ai l'impression que tu peux y aller à la main, bien sûr, puisque une baffe dans la tronche peut suffire à tuer quelqu'un. Il y a déjà un mode où on ne joue qu'avec ça. Ça, c'était assez rigolo. Il y a les fameuses mines de proximité. Moi, j'adorais ça aussi. Ah, mais c'est pas possible. Et en tant qu'agent secret, on se pose. Ah ouais, là, franchement. Eh, mais c'est pas possible. Incroyable. Mais je ne savais pas que c'était si dur de tuer quelqu'un dans ce jeu. C'était un prélude. Je suis tellement mauvais aussi. Mais où il est? Où il est? Il est parti? Non, il est là, il est là. Ah, elle est au piquet. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, dans mon souvenir, c'est pas du tout. C'est ridicule. Putain, tu regardes en l'air. Ah, merde. Mais c'est pas possible. Un chargeur entier dans une pièce. Je pense qu'il y a déjà 15 personnes qui sont peut-être en train de vomir. Je pense que... Ah mais non. Oh là là là, mais c'est pas possible. Sur les 15, il y en a deux qui ont pas eu le temps de rejoindre les toilettes. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas... Toi, tu regardes tout le temps en l'air. Moi, j'arrive pas à viser droit. Il y a vraiment... On a un gros problème, là. Ah, ça y est. Ah, j'ai eu l'impression que tu t'es toute seule en te tordant la cheville tellement... tellement c'était ridicule. Incroyable. Je suis confus, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Écoute, c'est pas grave. Alors appuie sur Start, on va repartir. Ah oui, pardon. Là, je sais plus ce que j'ai mis. On peut mettre une arme spéciale. J'ai dû mettre le grenade launcher. Ah oui. Qui doit être quelque part. En général, c'est dans les toilettes. Ils aiment bien planquer les trucs dans les... Oh, je t'ai vu au balcon. Où est-elle? Elle est là. Ah, j'ai enlevé. Mais, attends, j'ai enlevé mon arme. Qu'est-ce que tu fais? Même comme ça, non mais c'est fou. C'est fou. Eh ben là, ça nous met un partout. Hey. Pas mal du tout. Bon, les réflexes vont revenir, mais c'est vrai que là, je suis trop... Il me semble... J'aurais pas dû mettre ce mode de fonctionnement. Enfin, tu vois, c'était... Pourquoi? J'ai mis le maniement à la Call of, et en fait, on n'est plus du tout habitué à ça. Ouais, non. J'aurais mieux valu mettre le mode classique. En fait, c'est vrai que là, comment dire, c'est pas très précis. Quand t'as l'habitude du stick analogique... Eh oui, alors c'est un stick analogique, mais oui, primitif, donc un peu chaud. Mais en même temps, ça fait vraiment tout le sel de...
C'est vrai. Alors, l'histoire. Moi, j'adore cette manette. Je la trouve super. C'est une de mes manettes préférées de toute l'histoire du jeu vidéo. Ah ouais, quand même. Ah vraiment, vraiment. Je trouve, je sais pas, elle a une bonne tête, elle est joyeuse en plus avec ses couleurs. Ah, tu viens de passer là. Ah. Mais tu es bulletproof. C'est là. Ah oui, mais ça c'est une vitre blindée, mon petit bonhomme. Bah oui, je m'en suis rendu compte. Ah, te v'là. C'est marrant, comme systématiquement, quand j'angoisse, je tire au plafond. Moi aussi, c'est ça. Oh mon dieu! Je me crispe sur les manettes, en fait. Et souvent, ça fait un truc qu'on n'avait pas prévu, genre s'accroupir ou des choses comme ça. Moi, ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme mouche? Resident Evil, ça me l'a beaucoup fait, ça. M'accroupir alors que... Ah, le Rocket Launcher! Voilà, ah. Là, on va pouvoir causer, regarde. Il était dans les chiottes. Alors, faut quand même être prudent parce que... Tu vas pouvoir lâcher ta grosse caisse. C'est le genre de truc qui nécessite quand même un peu de recul. Et à bout portant, c'est un peu dévastateur pour tout le monde, finalement. Là aussi, encore une musique de James Bond qui déchire. Il savait y faire. Ah, franchement, pour l'époque, c'est un chef-d'œuvre incroyable. Non, c'est vrai. Ils ont fait Perfect Dark après, qui était encore mieux. Peut-être les gens connaissent moins, mais c'était fou, il y avait des... Oh tiens! Perfect Dark, qui était ressorti sur... Qui est ressorti, oui, d'ailleurs, ça m'a donné envie de le refaire. Et il est ressorti sur Xbox Live. Ouais, il y avait une compile, un truc, des jeux rares, je crois, non? C'est pas ça? Oui, exactement. Et j'ai recommencé d'ailleurs. Ah, en préparant cette émission, je me suis dit, tiens, je me referais bien un petit Perfect Dark. Et par contre, Perfect Dark, bah, c'est une version complètement remasterisée, avec des graphismes relativement modernes, on va dire. Donc j'étais un petit peu déçu, mais peut-être je ressortirai le vieux Perfect Dark sur Nintendo 64 dans un retour vers chez Marcus, un de ces quatre. Why not? Je me fais laminer, hein. Pourtant je vise vraiment comme une truffe. Ah, ça y est, c'est la fin du temps réglementaire. Nous arrivons à encore terme. Des roquettes. Ah, et je vois que tu n'es pas loin. Oh, j'aurais tellement voulu te voir au lance-roquette. Ok, très bien. 3-1. Alors là, c'était facile parce qu'on arrivait à se retrouver. Alors, c'était le problème de ce jeu, c'est en écran partagé, comme ça, évidemment. On peut tricher. Suite, où est l'autre? On peut tricher. Et puis, il y a les radars. Mais, moi, j'ai un truc, les petits amis, que je vais vous faire voir aujourd'hui parce que ça me tient à cœur. J'avais trouvé un petit bricolage pour faire en sorte qu'on puisse jouer à deux sans voir l'écran de l'autre. Et je vais chercher tout de suite ce bricolage qui, je suis sûr, va vous surprendre. Non mais reviens Marcus, je vais être meilleur. Vraiment, je vais m'appliquer, je t'assure. Non, attention, mais... regardez, voilà l'engin. Mathias, tiens-toi prêt. Et t'as pas besoin de me punir. Vous ne vous attendiez pas à ça. Voilà. Alors, je fais sécher mon linge. Ça peut paraître curieux, un peu comme ça. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, ce... Tankerville. Un tankerville. Moi, j'appelle ça un arbre à slip. Parce qu'on met ses slips dessus et quand ils sont mûrs, on les cueille. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est là où on récupère les slips de la maison. Et pourquoi mettre un arbre à slip devant nous? Eh bien, tout simplement pour cacher l'écran du bas à Mathias et l'écran du haut à moi. Voilà. Donc, D'accord. Là, regardez, grâce à cet astucieux système de serviettes suspendues, qui sont bien, bien calées sur le tankerville, donc, eh bien, voilà, normalement, on va choisir. Alors, on va choisir des personnages rigolos. Regardez, on va prendre chacun. Moi, je vais me mettre en bas. On va changer ouais, ce coup-ci. Ouais, moi, je me suis mis en haut, du coup. Je vais prendre... Alors, je vais te donner un petit avantage. Je vais prendre Joe, qui est d'abord, il est dégueulasse. Il est moche. Et en plus, il est grand. Oui. Et toi, tu vas prendre Oddjob, qui est petit. Comme ça, tu seras plus difficile à viser. Et moi, je serai plus facile à viser. Voilà. Alors, voilà. On va mettre Start. Hop là. Vas-y. Et tu vas découvrir pourquoi mon système est si bien. Donc, regardez bien, c'est les moche. Petits amis. Regardez, mettez-vous à ma place. Venez avec la caméra, mettez-vous à ma place. Vous voyez, je ne vois que l'écran du bas grâce à cet astucieux système. Je ne vois que ce que je fais en bas. Moi, visiblement, je commence dans les toilettes et je suis... comment? Je suis accroupi dans les toilettes. Attends, j'essaie de voir. Ah, voilà, j'y vois plus clair. Je vois la bouche d'entrée. Attendez, je vais sortir. Voilà. Et vous remarquez que grâce à ce système, eh ben, je ne vois pas du tout la caméra de Mathias. Je ne vois pas ce qui se passe. Et en revanche, si vous montez à la place des yeux de Mathias, et eh ben là, vous ne voyez que le haut de l'écran, puisque c'est caché par le tankerville. Et vous pouvez évidemment fréter votre adversaire sans qu'il vous voie venir. Ce qui est quand même assez fabuleux. Voilà, vous savez tout. Donc c'est parti, Mathias. Ouais, c'est parti. Allez. Let's fight. Allez, c'est parti, mon Mathias. Je suis dans les toilettes. Je te le dis tout de suite parce que du coup, tu ne peux pas savoir où je suis. Mais voilà, pour le moment, je n'ai pas encore trouvé d'armes. Donc, vous voyez, et puis j'ai pris un cheat mode qui fait qu'on ne voit pas, il n'y a pas de radar.
Donc, donc il n'y a pas moyen de savoir où est l'adversaire. Si ce n'est au bruit, parce que c'est ce que j'allais dire. On entend des portes qui s'ouvrent. Là, par exemple, j'entends, je viens de... Ça veut dire que tu es près des portes marron qui coulissent. Voilà. Donc, je vais aller te chercher là-bas. Après, il faut bien connaître le niveau, quand même. Oui, c'est vrai. Mais je peux te dire qu'après des soirées de GoldenEye, évidemment, les niveaux, on commençait à les connaître. Et on s'amusait même à tromper les autres sur le bruit. C'est-à-dire, deux portes marron d'affilée, on pense savoir où t'es. En fait, pas du tout. Ça pouvait être, tu pouvais faire tourner deux fois la même porte marron, histoire de tromper l'adversaire. Alors, j'ai un fusil d'assaut maintenant. C'est ça va moins vrai. Rigoler. Oui, voilà. Et je me demande si j'ai pas mis le fameux mode Golden Gun. J'entends toujours cette corde, donc je sais que t'es par là. Non, tu ne sais pas du drôle. Tout. Tu n'essayes pas de faire part aux gens. Tu ne sais pas du tout où je suis. Tiens, là, tout le monde entend qui arrive. Oh, puis cette porte qui est ouverte comme par hasard. Tiens, petit nain. Oh, il m'a eu. Il m'a eu, au job. Bravo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bravo. Alors, on a mis des mines de proximité, qui est une belle saloperie que tu peux poser contre le mur. Alors, fais gaffe, parce qu'il ne faut pas, évidemment, les déclencher toi-même. Ça reste des mines de proximité. Non, assez classique. C'est pas mon genre. Et on a, je crois, mis en mode Golden Gun. C'est-à-dire que quelque part, il y a un flingue en or qui traîne. Ah ouais. Et c'est un flingue qui tue en un coup. Donc, ça, c'est surpuissant. Ça aussi, c'est mythique. On va prendre une armure. Ça ne servira pas à grand-chose si, effectivement, on a mis le Golden Gun. Et on va essayer de trouver... des armes sympathiques. Voilà, déjà ça, c'est pas mal. Ah, mais t'es encore là-bas ? Ok, très bien. J'entends bien. J'entends le loup. J'entends le nain. Donc, ouais, c'est un petit astuce à savoir si vous jouez à GoldenEye. C'est les deux persos qui permettent de faire une sorte de petit. De petits handicaps. De petits handicaps, parce que j'ai ouais, vu comment s'est passé notre première... Moi, je suis quand même une grosse surface, donc... je vérifie qu'il n'est pas au même endroit que tout à l'heure. Donc, il est assez facile à toucher, a priori. Oh, il a une mine de proximité dans le... Comment je fais du frag gratos ? Oh, ça m'a bien abîmé, mais... Ah, t'es encore mais vivant. Je suis toujours là. Bien. Où est-ce qu'il est ? Là, il y a du suspense, vous voyez, les amis. Forcément, ça, voilà, moi, je suis fier de ma petite méthode parce que ça permettait d'assurer du suspense. Alors, je vous parle de ça à l'époque de GoldenEye sur Nintendo 64, mais ce système high-tech est totalement valable pour jouer à Call of. Aujourd'hui, le dernier Advanced Warfare 12000. Oh mon Dieu, une deuxième mine oh, de proximité ! Quelle lâcheté ! Mais qui a mis cette option ? Je sens que tu aimes mon petit système. En fait, là, les téléspectateurs se rendent compte à quel point je suis un gros campeur de sa race. Oui, parce que moi, je te cherche à chaque fois. Pour le moment, je ne te trouve mais pas. Mais non, mais j'ai tellement semé de saloperies que j'ose même t'ose plus me sortir. Ah, moi, j'ai mon Walther PPK, l'arme de James Bond. Ultra classique. Ultra efficace. Et il va falloir que je m'aventure dans un champ de mines. Ceci dit, les mines, si je les vois, je peux parfaitement les dégommer avec mon... Mon petit flingue. Sauf que c'est moins facile que... Il est où mon petit flingue ? Il n'y a plus qu'une petite minute. Oh merde. Serais-tu caché dans cet endroit-là ? Je suis dans les chiottes, hein. Je suis dans les douches. Ah, t'es dans les douches, mais moi je te cherche à l'autre endroit complètement. Oh. Eh bien voilà, 2 kills pour Mathias, 0 pour moi. Ça termine ce récit. C'est un peu triché. Oui, c'est un peu triché. C'est toi qui as voulu mettre les mines. C'était de bonne guerre. Moi j'adorais ce truc. Ah oh ouais, voilà. Fabuleux. En tout cas, c'est ça très stressant, hein, n'empêche. C'est stressant avec mon petit système, voilà. Fabuleux. C'est stressant parce qu'on se dit si quelqu'un rentre, ils vont se dire mais c'est quoi ces débiles ? Qu'est-ce qu'ils font derrière leur slip ? Le truc qu'il faut savoir, c'est que vous vous rendez pas compte, mais en fait, on fait abstraction du Tankerville et des serviettes. Complètement, complètement. Au bout de quelques secondes, on ne voit plus que son écran et on est focus. Mais vous, vous avez le droit de faire une capture d'écran et de vous moquer, bien sûr. On sait que vous allez le faire. Voilà, merci mon Mathias d'être venu jouer avec moi à ce chef-d'œuvre culte de la grande époque de notre jeunesse. On vous le recommande, GoldenEye 64. Il n'existe pas en console virtuelle. Non. Il y a un conflit entre Nintendo, Rare, Microsoft qui fait qu'on peut avoir Perfect Dark sur Xbox, mais on n'aura jamais sans doute GoldenEye, à moins qu'il se fasse un gros bisou et qu'il se serre la main un jour, mais allez, c'est pas d'arriver. Alors allez sur les brocantes, retrouvez ces vieilles manettes, une bonne N64, branchez-la, et vous allez voir qu'on passe encore des super soirées entre amis. C'est allez, ça le rétro gaming. Allez, à bientôt pour un nouveau retour vers chez Marcus dans Zeus. Ciao. Ciao.